Lounia, spontanée, folle, rigolote, visionnaire et locale. Voilà. Big up, Lounia. Big up, come back, pussy war. En deux fois, c'est toujours trop facile. C'est impossible. Bon, alors, ça commence. J'aimais déjà la musique, mais tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui était artistique, chorale, danse, j'en ai fait pendant des années. Après, j'ai commencé à apprendre des langues différentes, bon, un peu l'espagnol avec des amis, à m'intéresser à tout ce qui est en international, pour au final me dire, ben, on retourne à ça, quoi. Moi, c'est le professionnalisme. Pas de concurrence, je vois pas ça comme la concurrence. Les gens disent ça souvent, mais pas du tout, parce qu'en fait j'estime que tout le monde a un style différent, donc ça apporte une culture. Chacun a son style en fait, et c'est ce que la culture musicale des Antilles ou de la Martinique ou de la Guadeloupe, peu importe. Señorita, mi amor. Mi amor. Ce que j'aime dans le fait de faire la musique, c'est de transmettre une émotion ou un ressenti par rapport à un sujet, ou juste ambiancer les gens, changer de, permettre aux gens de changer de rigoler, de s'enjailler un instant, parce que bon, la vie de tous les jours, c'est pas toujours drôle, et voilà, c'est juste ça. À la base, la musique, c'est un moyen d'expression. Dans la musique, de rester elle-même, d'avoir confiance en elle d'abord, parce que c'est la première barrière face aux personnes qui viendront avec de mauvaises intentions. Et d'écouter aussi, de savoir écouter. C'est pas forcément des critiques négatives, c'est constructif. Observer beaucoup autour, parce que moi au début, moi, en commençant, je suis quelqu'un qui regardait beaucoup l'international et pas beaucoup chez moi en Martinique ce qui se passait réellement, à part dans la radio. Et donc du coup, ben, je peux vraiment me retrouver devant quelqu'un qui a déjà fait ceci ou cela. Et moi je dis, je sais pas qui vous êtes. Voilà. Merci. Merci, parce qu'en fait, y a, comme j'ai dit, il y a le côté spontané, il y a le côté, la partie où je suis un peu, même sur mes réseaux, on me dit que je donne des conseils par rapport à justement la confiance en soi, ou bien l'alimentation, ou des choses. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles, en fait, ou des personnes qui sont vraiment seules, et j'ai l'impression que je leur donne des conseils perso. Voilà, donc merci, tout simplement. Bah pour l'instant, je dirais ben, le son que je viens de sortir, qui est Soy Lounia, parce que je l'ai produit complètement seul. Voilà, ouais, c'est juste ça. Soy Lounia, avec des styles différents, avec différentes prises. Il fallait trouver le caméraman, le scénario. Ça s'est pas passé forcément comme je voulais, mais je me suis fait ma propre expérience toute seule, à aller en studio, à faire mes prises, à choisir mes tenues, mes partenariats, ainsi et ça. Et donc du coup, ça m'a fait comprendre certaines choses que je comprenais pas depuis le local. Mais déjà évolué. Le but, c'est d'arriver à l'international. Désolé, c'est pas à court terme, ça c'est le projet tout court. En international, me concentrer aussi sur moi,
des sons seuls, des featuring dans la Caraïbe, pas forcément comme artiste, mais dans la Caraïbe. Et puis, ouais, prendre toutes les expériences possibles, ce qu'on nous explique, ce qu'on nous rapporte, écouter beaucoup pour pouvoir bien faire les choses. Alors vous pouvez me suivre de toute façon sur tous les réseaux, donc il y a Facebook, c'est Lounia officiel, Instagram Lounia World Music, Snapchat Lounia, vous me retrouverez sur toutes les plateformes de téléchargement, YouTube, Spotify et tout ce qui s'ensuit. Le moment où les gens entendent la basse, c'est qu'elles y font « Ah !»